Pascal Drapoul. Babirandi, donc chef de corps du 12e bataillon d'instruction depuis le 1er août 2019. Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2. Monsieur le colonel commandant la Légion de gendarmerie Nord. Monsieur le colonel commandant la place d'armes de Dakar-Bangou. Messieurs les chefs de corps. Mesdames, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang. Mesdames, messieurs, honorables invités, voilà encore une fois réunis sur cette place mythique qu'est le carré d'armes du 12e bataillon d'instruction pour la cérémonie de présentation du drapeau aux soldats du contingent 2019-3. Avant toute chose, nous saluons la présence de nos invités du jour à qui nous souhaitons la chaleureuse bienvenue dans ce creuset de la formation de nos soldats. La présence massive d'invités civils et de frères d'armes issus des autres corps militaires et paramilitaires de la région nous réjouit. Elle témoigne de l'intérêt et de l'attention que vous accordez à nos activités, tout en illustrant parfaitement la vitalité des relations que nous nous efforçons ensemble de développer dans le respect et la confiance. La première personne du pluriel que j'emploie ici traduit l'idée d'une diversité, puisque vous avez devant vous le meilleur échantillon de la population de notre pays. Toutes les régions, toutes les ethnies, toutes les confessions et toutes les sensibilités culturelles sont ici représentées. En répondant à l'appel du 12e bataillon d'instruction, vous répondez à l'appel de notre nation toute entière. Mon colonel, honorables invités, la cérémonie d'aujourd'hui constitue une étape importante inscrite en lettres capitales dans le calendrier des activités majeures des armées en général et celui de la zone militaire numéro 2 en particulier. Elle est l'aboutissement d'une formation initiale destinée à asseoir des savoir-faire et des savoir-être nécessaires à l'épanouissement professionnel au sein des forces de défense et de sécurité. Il y a plus de 100 jours, par une matinée pluvieuse du 1er septembre 2019, ici même au camp capitaine Demba Margari, plus connu sous le nom de Dakar-Bangou, nous accueillions de jeunes volontaires sénégalais en quête de joie d'âme par l'action. Ils ont abandonné ce qu'ils avaient de plus précieux et bravé les rigueurs de la formation en souffrant en silence, comme c'est le propre du djambar.
pour former le contingent 2019-3. Ce contingent, fort de 1298 garçons et filles, se présente devant vous fier, majestueux et plus engagé que jamais. Soldats de la troisième faction du contingent 2019, ce 19 décembre est assurément un grand jour pour vous. En effet, la cérémonie organisée autour du drapeau national et sous la présidence du colonel commandant la zone militaire numéro 2 est un acte civique de haute portée qui s'inscrit dans la ligne des plus belles traditions militaires. Vous allez voir le drapeau et sa garde se présenter devant vous. Je profiterai alors de cette occasion solennelle où nos familles et nos camarades sont réunis dans une communion des cœurs et des esprits pour rappeler la traditionnelle leçon de civisme qu'ont reçu tous vos anciens. Tous ensemble, nous rendrons les honneurs au drapeau avec amour et recueillement. Développement.